Bonjour à tous et à toutes, je suis Alice et bienvenue pour Neverwinter Nights, Shadows of Hundred Tide. La dernière fois, lors de la fin du chapitre 1 de cette extension, nous avons fait double jeu entre le dragon commandeur de gobelins et la personne semi-humaine qui aurait commandé le raid sur Maître Drogan afin de voler les artefacts. Le choix étant que j'ai tué la semi-humaine parce que c'est elle, entre autres, qui a donné l'ordre. Et avec un objet étrange qu'elle possédait sur elle, qui était au cas où le dragon venait l'attaquer, j'ai réussi à persuader le dit dragon de me donner les derniers objets. J'ai rendu tous les objets à Maître Drogan, qui m'a confié la tâche de les remettre en lieu sûr et donc d'accompagner ces personnages-là qui sont, je crois, des marchands. Cependant, lors de la traversée du désert, nous fûmes attaqués par des scorpions et notre guide a disparu. Notre quête étant de le retrouver. Et j'ai dit une bêtise, en fait nous avons été envoyés car dans la statuette se trouvait l'artefact étrange et mystérieux, sans doute le plus puissant. Et donc la caravane des Alphelins partir vers le désert où nous y allons et où nous sommes, mais un guide a disparu. Et donc le désert. Un désert carré avec des coins, et le son est absolument fort dans mon casque. C'est horrible pour moi, mais je vais m'en accommoder. J'aurais dû faire ça avant. En vrai, je pourrais juste faire un petit cut, mais j'ai envie de jouer avec les difficultés de l'oreille au maximum. Alors, trois entrées de terriers qui sont ceux, je vais avoir du mal à parler et à conjuguer mes verbes. Oh, qu'est-ce que cela est? Trace de scorpion. Ces traces de scorpion ressemblent étrangement à des traces de humains. Allons dans le trou là. Le trou en haut à droite. Alors, j'ai de dextérité. Attention, dextérité. Et oui! Il y a tout un réseau de tunnels. Très bien. Ah, et bien sûr, nous avons toujours notre très cher Xanos avec nous. Je tiens à repréciser le jeu, enfin l'extension, faites-le avec un reroll, c'est tout. Voilà. Oui. Être une protestation, ce désert est un lieu infernal, terriblement hospitalier, notre terrain de voyage n'est pas dit quoi. Bah qu'est-ce que tu fais là? Oui. Ouais. T'es logique. Ouais. Terminé ce train. Pas sorcier en récompense. Et oui, il faut penser que lui, je sais comment le dire. Parce que je veux me venger. Et parce que je dois beaucoup. Oh, excuse-moi, mais c'est moi le héros. Tu aimes l'écouteur parler. Joie, bonheur et allégresse. Ah oui. Oh ça alors. Merci beaucoup de t'avoir tué. Donc vers la caravane du campement, au plus profond du tunnel, et donc c'est de là doivent être les autres passages. Et donc dans cette petite session, oh, des empreintes encore. Des traces de scorpions. Encore. Ils sont partout. Je pense que... Ouais, non, il n'y a rien là. Un dédale qui mène ici. Donc, oui, je disais... Oh, salut les scorpions. Je disais... Ah non, scorpio. Attention. Nous allons... voir... Nous allons voir ensemble ce petit donjon un peu inutile. Alors, officiellement, cette partie de l'extension s'appelle
interlude. Voilà, je tenais à ce que ce soit rectifié. Ouais. Alors, ça sent le piège. Et c'était un piège. Merci. Ah mon dieu, c'était un piège, C'était un piège piégeux, je le savais. Parce que c'était une salle carrée. Et là, ah c'est pas moi le sort. Archer scorpion, d'accord. Ouais, vous êtes des humains en fait. Ah, une horreur casquée invoquée. Qui, ah ouais, qui est extrêmement fort. Et il s'est mis entre une un sort de... Un sort. Bon, pour le moment, ça va. Pour le moment, tout va bien. La carte a l'air quand même assez grande. Ce qui risque d'être compliqué pour me repérer. Bon, j'avoue que les petits... Il va falloir qu'on revoie notre stratégie, toi. Alors, il est où? Il est là. Oh! Nous allons revoir notre tactique. Voilà. Et reste plus près. Bien. Tiens, 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 un campement. Un campement, putain, c'est trop casqué qui dit là, du dégât, pas dégueulasse. Là, il y a un chaudron. Un coffre. Que je vais m'empresser d'ouvrir, écoutez. Ouh, des clés. Des trousses de premier secours. Ah oui, et dans ce DLC, si vous étiez resté jusqu'à la fin, c'est-à-dire jusqu'à ce que Dalin meure, et ben en fait, il ne meurt. Il ne meurt pas vraiment, il est juste... disons qu'il arrête d'attaquer, qu'il faut donc le réanimer. Ça marche avec... oh, masse d'armes double. Ouais, je vais pas le prendre, j'ai déjà assez d'argent comme ça. Alors ça marche avec les trucs de secours, les trousses de premier secours, ça marche très bien. Après vous vous reposez et ça fait tout le travail. Une épée courte. Il y a... Il y a quand même pas mal de choses. Alors déjà notamment on peut voir que des humains habitent ici. Enfin des personnes bipèdes habitent là, à en juger par les coffres. Et par les espèces de camps de fortune. Bon là dans cette salle, le piège étant ici. Voilà. Oh, pas mal, joli sort. Joli sort, mon grand. Ah, il y a des caisses. Ouais, des caisses, des campements et même un puits. Ouais, très clairement, il y a une... Salut. Oh, petit sanglier. Ah non, c'est un blaireau, pardon, je me suis trompé. Ouais, il y a quelqu'un doté d'intelligence, voilà, on va dire ça comme ça, qui habite là. Notamment la présence de râteliers d'armes. Qu'est-ce que des... Ouh, jet d'acide, je le prends. Ça c'était quoi? Note d'un gobelin. Ça il faut que je le déplace très loin. Ah ça c'est parfait. Ça c'est parfait. Quand il y a des objets de quête qui se barrent. Donc oui, il y a quelqu'un qui doit tirer les ficelles. Bon là il y a
quelque chose. Voilà. Il y a lui. Ah mon dieu. Et c'était une embuscade. Ah là là. Je ne m'y attendais pas. Je m'attendais pas à ce que Dalin fasse de la... Ah non, Dalin doit être sous l'impôt. Non, Dalin est juste trop con. Ah mais je dis Dalin alors que c'est Xanos. J'ai encore trop l'habitude de la campagne principale. Il faut que je perde cette habitude. Nous sommes dans une extension et plus dans la campagne principale. Je vais bien réussir à le retenir ça à un moment. Donc des couloirs, ça a l'air compliqué le bordel de couloirs qu'il y a. On va essayer de faire salle par salle. Et après cette salle, je vais me poser. Ah, parfait, ça. Hop, double, en plus. Le blaireau, par contre, n'a plus de points de vie. Le blaireau est mort. Tel un blaireau. Il y a encore un chaudron et des coffres. Ouais. Encore atelier d'armes. Non mais je continue de penser. Il y a quelqu'un qui tire les ficelles. C'est le méchant de cette zone. Mais d'abord, je vais me reposer. C'est bon déjà, c'est R. Oui. Pour l'instant ça va vite. Pour l'instant ça va vite, ça va vite, ça va vite. Ça va bien, ça va vite. D'accord, donc il y a les couloirs là qui se rejoignent dans cette salle. Cette salle qui se rejoint là. Alors, il y a une porte. Et très clairement, juste parce qu'il y a une porte, je... Eh ben... oui. D'accord, je l'ai regardé. Et elle est... il est mort. C'est ça, je l'ai regardé du coin de mon œil. Et paf. Oh, c'est magnifique. Oh la vache! Une manticore! Putain, ça déchire! Oh! Attendez, voilà, regardez! La manticore! Bon, elle est un peu moche par contre, hein. Je crois que c'était censé me faire peur. Oh. Bon! On va reconnaître un truc, ils ont mis une manticore, et ça, c'est beau, elle est un peu moche, je suis désolé, elle était moche, oh un petit ador, oh de l'or, oui, de l'or, de l'argent, à moi. Ah, ça c'est un homme qui n'a pas eu de chance dans sa vie, et c'est bien dommage, bon et puis là c'est de la bouffe, c'était donc la cage de la manticore. C'était mignon. Non mais franchement, elle était moche. Ah, par contre, la cinématique de Trap, faut reconnaître que... Ah, il y avait du moyen. Oui. Non, attends.
T'as pas utilisé un sort débile, genre un sort d'ouverture. Ah, si, il a utilisé un sort. Idiot. Sombre con. Bon, la porte là, je pense que on va. Non, on va y aller. Ouais, on va l'ouvrir. Tiens, d'abord, elle est rouge. Voilà. Voilà, petit piège, hein. Monsieur, bonjour. Une salle du trésor. Oh, cool. Bon, je vois le piège. Oh, des gros coffres. Une statue. Une statue, je veux la statue. Je veux la ramener. Je sais pas comment faire, mais je veux la ramener. Alors, atelier avec de l'or, des tas, des caisses, des trucs, des coffres. Avec des soins, et ça c'est important. Une améthyste, encore un piège. Parce que sinon, un seul piège, ça n'est pas drôle. Tout le monde le sait. Gros coffre avec une baguette de foudre. Oh! Elle en est à Dalin, tiens. Et ça, une armure. Une armure. Ouh, c'est pas mal. Résistance, perforation, résistance. Est-ce que je la mets? Allez, vas-y, je vais la mettre. Ça va un peu me baisser mon armure. Ouais, d'un seul point, mais quand même, j'aurais. Voilà, maintenant on est en marron, on en est en marron dégueulasse. Voilà, tout ce que j'ai à vous dire. Et Dalin, pourquoi j'ai des essences? Ah oui, c'est mon invocation. Je la garde pour plus tard. Non, toi. Que veux-tu? Nous allons modifier la tactique, modifier ton équipement. Et je vais te donner des flèches plus 1. Donc tiens, prends. D'accord, très bien. Tiens, prends ça. Ah oui, c'est vrai que t'as tout ce merdier. T'as une armure un peu nulle. Une armure plus 2, ouais. Avec bonus détecteur. Tiens. Mais ça, voilà. C'est toi maintenant qui endosse ce truc rouge. Et qu'est-ce que je voulais te donner? La baguette. La baguette. Pour toi. Parce que ce sera plus utile. Et il te faudra une cape. Il faut que je retienne ça. Voilà, maintenant tu es. Bon, on ne voit pas. On ne voit pas parce que t'es en armure. Mais tu es beau maintenant. Tu es beau, Xenos. Oh, des bottes. Oh, 1 minute de vitalité. Oh, c'est bon ça. Ah oui, ah, je dis oui, ça c'est pour lui. Et ça, c'est des bottes d'elfe un peu nulles que je vais quand même prendre. Et la statue. La statue. La statue. La statue. La statue. Ok, ça n'a juste servi à rien. Je reconnais que je me suis un petit peu laissé aller. Voilà. Mais ça défoule. Bon, donc la statue. La statue. Oui, la salle. Enfin, pas la salle, là. Le truc, là-bas. Des empreintes de pas, voilà. Des scorpions, des trucs, des machins, des bidules. Oh, je suis beau. Je. Oui, alors, ne cherchez pas à comprendre pourquoi le jeu fait des trucs bizarres. C'est parce que le jeu est vieux, voilà. Oh, un officier scorpion! Est-ce que tu es moche? Tu es. Ah ouais, mais en fait, vous êtes vachement manche, mais tous. Alors, pour l'instant, le personnage cherche à attaquer. Voilà, il attaque. Pour l'instant, je m'en sors plutôt bien, on va dire. Ouais, oui,
Ah, échec acrobatie. Oh, déçu. Petite hallebarde de talonneur. Oh, c'est violent. Oh, une glande de scorpion. Oh, je le prends. C'est dégueulasse, mais je le prends. Et là, il y a encore plus de scorpions. Il y a un coffre. Attendez, il y a un coffre. Alors, un des scorpions. Voilà. Une serpe plus 1. Plus 1 de quoi? J'en sais rien. Et donc là, c'est pour aller plus loin. Et là, il y a des empreintes qui mènent à plus prof. Ces cavernes paraissent sans fin. Jusqu'où vont-elles s'enfoncer? Mais je ne sais pas. Et on va le savoir. Si possible maintenant, en fait. Hein, parce que voilà. Écoute, déjà, on va se reposer. J'ai perdu un peu beaucoup de vie. Voilà. Parce que énormément de vie. Ah, c'est bon, il a fini. Oui, c'est bon, c'est terminé. Là. Descendre. Allez, là-bas. Vas-y, impressionne-moi, y'a. Et on descend. Et là, c'est beau, parce qu'on descend. Et donc, plus profond. Un temple. Et là, c'est la fin de la zone, déjà. Ça se reconnaît parce que c'est... C'est très droit. C'est droit. Voilà. Juste parce que c'est droit, c'est la fin de la zone. Qui aurait été, ma foi, quand même très impressionnante par sa cinématique de manticore. Ah non, c'est des officiers, d'accord. Et là, c'est des statues aussi. Il y a encore des statues. Ah, est-ce que vous entendez? Oh, bonjour. Bonjour, messieurs, dames. Un ignoble scientifique. Ah, vite! Tuez le méchant. Voilà, mort. Eh, je suis incubé à la maladie, mais ça, c'est... Ah oui, une seconde. Il faut casser l'hôtel. Voilà. C'était facile. Ah oui, pardon, excusez-moi. Bonjour. Ah mais j'adore les aurores, qu'est-ce qu'il y a en fait? Bon, c'est terminé. Merci. Zidane. Ah oui, il s'appelait Zidane. Alors. Alors. Oui, on va te faire sortir de cet endroit. Est-ce que tu... Non, est-ce que... Merci. Allez, sortons, viens avec nous, viens. Déjà, on va un petit peu fouiller cet endroit qui est donc la dernière d'un scientifique fou dégueulasse qui se trouve ici. Et qui... Oh, le corps. J'ai pas fouillé le corps. Ah, mais quel oubli impardonnable. Je prends. Je m'en fous. Et là, il y a des cadavres. Des cadavres. Dégueulasse.
Et bien sûr un point de téléportation. De l'or, de l'or, de l'or, de l'or. À moi, de l'or plein partout. Oh, de l'or. Oh, ça fait du bien. Et c'est tout. Ça qui est trop lourd. J'ai du mal à le porter. Ah, oui, c'est vrai. Il va falloir que je me fasse soigner un moment. Donc, sortons. Ouais, j'avais dit sortons, mais... Ah, attendez. Il faut que je me soigne de ma maladie. Je me soigne de ma maladie. Écoutez, la maladie fait rage. Voilà. D'accord, donc en fait... si, je crois que j'ai un truc. Je vais tout utiliser sur ma gueule. Impeccable. Maintenant, on va y aller comme ça en marchant. Et dès que j'aurai trouvé un sort qui me permettra de me soigner ou quelqu'un pour me soigner, et ben tant mieux, écoutez. Bloc de pierre, oh, joli bloc de pierre. On va escalader avec la dextérité. C'est-à-dire que si on est en une tanche sur la dextérité, ben ça marche pas. Je suis un peu déçu. Il est passé où mon compagnon là? Débilman, merci. 4 Katriana. Ouais. Ah, voilà Zaidan. Enfin une bonne nouvelle. Je commençais à me demander si nous n'allions pas devoir rebrousser chemin au petit bonheur la chance. Je ne le conseillerais pas, moi non plus, tout à fait l'heure d'en avoir. Ah, et oui, c'est moi, oui, et l'autre tronc, et l'autre con. Alors, je vous laisse sauver les hivernes, comme j'ai attendu, j'imagine. Non. Voilà, et 1000 points d'XP. Je vous assure que là, déjà, je devrais être au moins level 5. Bien, bien, bien. Est-ce que on peut se bouger le cul? Toria se rigole. Non, 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 non. Parce que déjà, je voudrais me soigner avant toute chose. Réfléchissez un peu. Ta gueule. C'était exactement ce que je voulais faire. Écoute, je me suis encore trompé. Il faut que j'aille voir à la bonne porte. Pour aller voir madame mes genoux. Là, le div, là, voilà. Là, voilà, elle, Dash. J'ai besoin de soins, s'il te plaît. Merci, madame. Voilà. Et puis maintenant, on va aller où elle est là. Katriana. Olé. Allons-y. Un peu plus loin.